Salut de Sens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. Aujourd'hui désolé pour le, enfin pour le nombre d'absences et tout que j'ai eu. Vous voyez que j'ai un peu enrhumé, c'est normal. C'est voilà, c'est la rhume, le rhume des foins. Et là en fait j'ai envie de faire une vidéo. J'ai envie de faire, désolé, voilà, désolé. Hop, j'avais envie de vous faire une vidéo, enfin voilà pour vous montrer voilà que, bah, que enfin parce que voilà je vais un petit peu vous parler un petit peu voilà par exemple je suis en train d'aider quelqu'un, c'est pour ça que ça m'avait fait penser à ça. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo. Je répondrai à la guilde plus tard. Hop, hop, je sais plus du tout qu'est-ce que c'est le succès. Succès. Hop, désolé, voilà si je parle plus trop. Succès premier, nomade, score 80. Ok. Ok, bah toi on te tue direct. Hein. Hop, on lui répond un petit peu. Désolé si je parle pas beaucoup. Alors, pourquoi j'ai pas été là pendant quelques temps? C'est juste une question de petite flemme, on va dire, voilà. J'ai pas vraiment envie de... J'ai pas vraiment d'idées de vidéos, voilà, à faire. Enfin, voilà, j'avais beaucoup d'idées de vidéos aussi. Mais j'ai envie de vous montrer plus tard un petit peu les trucs. Et là, en fait, ce qui m'a donné envie de faire une vidéo, c'est vous... Enfin, c'est vous montrer ce qui se passe un petit peu depuis quelques temps. Et tout le monde le sait, je pense. Tout le monde sait ce qui se passe dans le jeu. Est-ce qu'il a fait le succès nomade? Je sais pas. J'aurais dû le laisser crever. Ça m'aurait peut-être fait. Bon, tant pis, au pire, on le fera de notre côté, nous. Je l'ai aidé avant pour le donjon de squelette, je lui ai dit de quel succès fallait faire et tout, mais là, j'ai oublié de lui dire. Donc, c'est de ma faute. T'as utilisé. Utilisé. Tous tes PM. Hop, on met pas de S à PM parce que voilà, on s'en fout. Hop, donc. Oui, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est bah, grâce à Humility, bon, le youtubeur, je pense, le plus connu de Dofus, on a eu vachement un bon regain d'activité. Et voilà, j'ai un petit peu vous en parler, un petit peu comment ça se passe. Alors, franchement, maintenant, voilà, il y a beaucoup de personnes au sein, il y a beaucoup de personnes qui vous demandent de l'aide, par exemple, quand vous êtes HL comme moi, enfin, HL, on va dire HL entre grosses guillemets, si vous comprenez, voilà. C'est. Voilà, c'est. Bon, tiens, on va le tuer, on va le finir. Tac. Et voilà. Au cas où tu utilises pas tous tes PM. Voilà, je dis quand même pourquoi je l'ai tué, voilà. Parce que ouais, je sais que je suis un petit peu en train de faire du. Comme si les gens c'était des assassins. Bon, on va dire, oui, voilà, il y en a pas mal, c'est des assassins. Clairement, voilà, si vous voulez savoir, j'ai aidé un mec niveau 188 à faire un donjon. Tout ça parce que le mec était en assassin. Bon, clairement, pas entre niveau 188, c'était. C'était juste. Voilà, désolé, mais. Casse-toi, mec, je joue pas à ce jeu. Voilà, enfin, il faut. Le assassin, je suis d'accord, mais que très peu. Hop, ça on l'a fait. Est-ce qu'on a eu le nomade? Ah, si, on l'a eu. À bout de forge. Voilà, bon bah c'est cool, on a eu tous les succès. En fait, en fait ça m'a tué dès que ça réussit à faire tous les succès. Voilà. Bah, de rien. Tu veux de l'aide pour autre chose? Hop. Je vais quand même poser. Oh oui, voilà, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, et tout, qu'on peut aider. Alors, clairement, pour une question. Question budget. Enfin, qu'est-ce que je dis? Question. Comment dire? Question. Ah! Bah, question, voilà, un petit peu tout ce qui se passe, question argent sur le jeu. Oh, t'inquiète. T'inquiète. TP juste. Hop. Désolé, ouais, si je parle pas beaucoup. Enfin, si je parle pas beaucoup. Question. Question baigne, enfin voilà, économie du serveur. Restons bien calmes, ça a totalement explosé, c'est devenu n'importe quoi. Non, c'est vachement bien, franchement. C'est ça, en fait, en vrai, ça a même pas changé. Pour vous dire, je trouve pas vraiment que ça a changé quelque chose en fait. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Ah oui, au fait, ah mince, j'ai oublié de vous le dire. J'ai fini la quête, les quêtes Kawott. Hein. Voilà, j'ai fini les quêtes Kawott, ça m'a saoulé. Je dois vous le dire, ça m'a saoulé littéralement. J'en pouvais plus. Sinon aussi voilà avant que le mec me demande de l'aide j'avais été en train un petit peu de faire mes roses des sables. C'est ce que je me suis fait en à peine une heure hein, si vous voulez savoir. Voilà pour vous dire les camas qu'on peut se faire. Et bah comme vous avez pu voir
Moi, j'ai pas mal de kamas et encore j'en dépense beaucoup pour rien, je dois vous dire. J'ai quand même donné 1,8 million pour un cas, je sais plus pourquoi déjà. Enfin, oui, pour. Oui, c'était un ami pour l'abonné. Voilà. Et ensuite, voilà ce qui s'est passé. Bref, question, bon, on va plus parler maintenant de ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Question économie, voilà, ça n'a rien changé. Et franchement, il y a beaucoup de personnes qui vous sollicitent pour entre quand vous êtes vers level 100 ou voire plus. Et franchement, je trouve ça bien parce que voilà, le serveur, voilà, ça gagne vachement un truc plus sympathique. Bon, même si voilà, clairement, s'il vous plaît, voilà, ceux qui recommencent sur le serveur, s'il vous plaît, ne faites pas les sasa parce que vous allez perdre. Enfin, personnellement, j'ai jamais fait le sasa parce que je trouve ça vachement trop. Comment dire? C'est tellement facile en fait de passer niveau 200 maintenant sur Dofus, je dois vous le dire clairement. Parce que niveau 122, je vous jure, et encore, je suis un très mauvais joueur, voilà. Enfin, je suis même plus niveau 122, je suis niveau 130 bientôt. Ouais, bientôt niveau 130. Et je suis un très mauvais joueur, j'XP très peu, etc. Et vous avez vu, voilà combien je suis de level, combien je suis en non full sasa. Bon, après, j'ai de la chance, j'ai une bonne guilde, etc. On fait souvent d'XP free free. Mais bientôt, lui, comme je vous le dis, je suis en rogue, c'est pas en sasa. Hop, on va l'aider. Mais clairement, mettez-vous pas en sasa. C'est. Non, ça sert strictement à rien en fait. En plus, clairement, vous perdez déjà un petit peu tout ce qui est sociabilité sur le serveur et un petit peu tout ce qui est bien en fait sur le jeu. Clairement, voilà, l'expérience de jeu est totalement réduite à zéro, quoi. Voilà. Donc, clairement, s'il vous plaît, faites en sorte de jouer normalement. Enfin, voilà, de jouer non full sasa. Voilà, vous pouvez totalement. Pour la même si là je suis en train d'aider un mec à ça, mais bon voilà, c'est bon, c'est normal. Tac. Bon bah je vais l'aider pour faire le Scarface. Ensuite, sinon. Ah merde, je suis très mal placé. Ah, en plus toi, non c'est bon, toi tu résistes pas à l'air. Donc toi t'es foutu. Je vais même pas chercher à comprendre. Petite question pour. Attendez, une question. Il y a un truc. Je pose cette question. Mais. Pourquoi on fait ce donjon là, sachant que. Ah, peut-être qu'il fait un autre donjon, enfin je sais pas, peut-être qu'il fait autre chose. C'est parce que j'ai un petit peu enrhumé là, ça va être un petit peu difficile à parler. Mais bon, ça va tranquille. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il le finit au moins. Hop, tac. Pan. Je prends ça. Voilà, alors sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui. On pourrait aussi un petit peu parler de. Voilà, de comment ça se passe avec ce personnage-là. Clairement, Dofus, je l'ai pas du tout arrêté. Vous inquiétez pas. Et clairement, j'arrêterai peut-être dans très très longtemps. Parce que franchement, pour l'instant, là, j'ai beaucoup trop de choses que j'ai envie de faire. Par exemple, là, j'avais envie de faire la quête émeraude. Et après, sur un coup de tête, je me suis dit, ah non, faut que je fasse quelque chose de plus intéressant. Ton what the fuck? Ah oui, c'est pour lui, d'accord. J'étais en mode, ah non, il faut que je fasse quelque chose de mieux, quoi. Faut que je. Faut que je fasse des chasses au trésor parce que j'avais envie de faire des chasses au trésor. Juste pour vous dire à ce point-là, voilà, j'étais. Mec, t'as pas besoin de venir, hein, t'inquiète pas. T'as juste besoin de passer. Hein. Hop, ça, c'est un combat qui est bouclé en 3 secondes et demie. Attention, c'est du one shot. Et ben non, parce que j'ai pas de critique. Dommage. Bon, sinon, ouais, pendant sinon, okay, franchement, j'en pas beaucoup. Bon, tant pis. Voilà, hop. Ensuite, tac ici. J'allais me louper de toute façon. J'allais me louper, hop. Il est pas obligé de venir de toute façon parce que c'est des petits combats vraiment très nuls. Enfin, ça lui donne 0 d'XP. Je suis sérieux, c'est vrai que je suis un critique sérieux. Oh. Ils sont plutôt slow. Hop, en plus, voilà, je montais des donjons que je vous ai même pas fait en vidéo. Bah, comme ça, au moins, c'est cool. Là on a combien de minutes de vidéo? 9 minutes 2, 20? Enfin ça va encore pour l'instant, voilà, on va aller jusqu'au boss si vous voulez. C'est bon, il est là. On lance le combat. Donc sinon ensuite qu'est-ce qui a ça c'est la prochaine fois je pense. Enfin la prochaine fois que je vous mettrai en vidéo. Bah je vous montrerai sûrement quand je vais avoir l'émeraude. Enfin je pense que il y aura sûrement ça qui va se passer. J'allais être mad si il avait 100% en R. Et j'ai oublié d'invoquer le chien.
Je suis un très bon joueur, franchement, vous pouvez le voir, franchement, voilà, pro player depuis 1928. Voilà. Qu'est-ce que je dois te dire sinon? Je suis en train un petit peu de chercher, voilà, ce que j'allais dire. Bah, clairement, sinon, je vais peut-être. Voilà, j'ai un petit peu, voilà, aussi aider certains débutants et tout. Alors, si vous voulez de l'aide, eh ben, demandez-moi, voilà. Je suis de toute façon là pour vous aider un petit peu. Je connais pas non plus tout sur le jeu, mais je peux pas mal aider les débutants, quoi. Donc, voilà. Ensuite, de quoi on pourrait parler? Pour l'instant, tac. On va finir ce mob. Et on va faire ça. Franchement, là, je. Petit à petit, en fait, je suis un petit peu en train de m'habituer à l'Oginac. Franchement, Oginac, on dit vraiment que c'est, oui, c'est pas, c'est une classe totalement. Oui, totalement pété. Hein. Clairement, c'est quand même une classe totalement pété. Mais comment dire ça? Bah, franchement, c'est de la détente. Voilà. Moi, je joue très peu en PvP. Voilà, je vous fais savoir, j'ai fait pas mal. Très, très, très peu de Coliseum. Même si j'ai envie de mettre pas mal. Enfin, même si j'ai envie de pas mal faire de Coliseum. Je trouve franchement, voilà, que si je fais que du PPM, bah ça dérange personne, quoi, en vrai. Et clairement, c'est une classe où c'est la détente, quoi. Désolé, mais c'est la meilleure classe pour se détendre. Voilà, vous voyez, vous faites un bon petit rox à chaque fois. Après, là, j'ai pas du tout un bon stuff à mon level. Hein. J'attends le level 150, parce que pour l'instant, là, j'ai un stuff level 100. Et il commence un petit peu à vieillir, ce stuff, voilà. Sinon, j'ai toujours pas le bouclier de la merdasse, mais je pourrais l'acheter là à 2 millions. Le problème c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai dit à quelqu'un que là j'allais acheter dans la guilde, que j'allais lui acheter le bouclier. Mais pour l'instant en fait j'attends juste qu'il se connecte. Donc on verra peut-être pendant les grandes vacances. On verra peut-être pendant les grandes vacances, voilà, s'il me le donne ou pas. Voilà. Donc tac, toi tu meurs. Toi tu vas plutôt me faire chier. Donc on va plutôt s'occuper de lui. Tac, toi tu meurs. Non, meurs, s'il te plaît. Non, non, s'il te plaît, la gélance. La gélance, tu meurs pas. C'est bien de mourir, tu sais. Hop, hop là, on fait ça. Ah, clairement, par contre, là, il a clairement de quoi le finir. Allez, dis. Dis que t'as quelque chose de bien pour le finir. Waouh. Oh là là. Le mode de poux de Doflamingo. Enfin, c'est pas de Doflamingo, c'est de. De quoi s'appelle? De Dark Feudala. Oh là là, très fort, hein. Franchement, waouh. Wow. Ok, alors là on arrive à l'avant-salle du boss, à 12 minutes 30 de vidéo. Enfin, 12 minutes 40 je crois, pff, tant pis. Hop, donc. Ah, le scarfeuille, non, rien à faire. Hein. Enfin, c'est un scarafeuille, c'est pas un scarfeuille. Mais il va plutôt m'énerver celui-là. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est parce qu'il se fait invisible et l'invisibilité, ben voilà quoi, c'est. Y a rien de plus insane. Alors je sais, franchement, par contre, oui, pour. Sinon, pour les Doppel et tout, je pourrais faire comme le Doppel Stram là, mais. Ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir faire comme le Doppel Stram. C'est-à-dire, je le marque, enfin, vous voyez, je le mets en proie, avec le sort proie. Et après, je fais un Charon ou un truc pour augmenter ma rage. Et après, je le tue, mais bon. Voilà, c'est pas non plus extrêmement utile, de toute façon là il est mort. Peut-être pas en fait, alors peut-être qu'on va faire ça. C'était les meilleurs dégâts. Je suis vraiment les meilleurs dégâts, c'est la folie ça. Tac. Donc. Oh! Ah, je savais pas vraiment que je roxais. Enfin, après, ouais, vous allez me dire, il y avait moins 10% de. Enfin, il avait moins 10% de résistance. Mais je savais pas que je faisais autant de dégâts. Donc, maintenant, attends. On va faire les succès. Je vais lui dire les succès. Corailleur. Non, c'est plus bas, je pense. C'est beaucoup plus bas. Zombie. Main propre. Impossible, lui.
Donc là, je vais dire juste un truc, c'est très simple. Bon, quoi que non, je vais. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Merci. Hop, ça c'est fait. Tac, désolé si je parle pas beaucoup parce que pour l'instant je suis un petit peu concentré. J'ai. Voilà, faut que je réussisse le challenge main propre. Oh non, peut-être pas réussir le challenge main propre, mais le challenge zombie. Donc c'est un petit peu dur. Ouh, désolé pour le bruit. Ah, c'est que là j'ai un petit peu eu un éternuement. Voilà. Un éternuement de type énervé, de type vénère. Bah ouais, bon, on va faire un tac. Et un tac. Ah, et attendez, on pourrait en vrai. En vrai, on pourrait. Ah, clairement, on peut là. Oui, je pense même qu'on peut totalement. C'est pas si difficile que ça. Enfin, après, il faudra peut-être faire le challenge main propre. Enfin, le challenge zombie. C'est peut-être un peu plus difficile le zombie. Mais attendez. Je veux voir là. Non, je le tue à 100%. Bah, attendez, on va faire ça. Hop. Ta-t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 a. Boum, toi, tu prends ça de dégâts. Oh non! Il ne tue pas le scarabée doré. Oh là là! Quelle fatalité! On va prendre très cher. Non, en vrai ça va, en vrai ils font pas beaucoup de dégâts. Mais ça va le tuer. Ah. Bon bah là c'est juste un tour où ce qu'on fait 1 PA. Enfin 1 PM plutôt, désolé. Désolé, je parle très bien le français, hein, ça se voit facilement à comment je parle. Non mais sérieux, je le tue comme ça. Ok, alors là. Ouais, ça le tue pas. Et l'autre. L'autre. Il prend un peu cher. Oh bah attendez, j'ai une idée. Les gens, vous voyez quand même que si on s'essaie sur lui, on le tue. Hop. Tac. Et tac. Ok, bon bah pour l'instant ça va très bien. Ensuite, on peut rien faire d'autre pour l'instant. Est-ce que j'ai. Oh, j'espère que j'ai utilisé mon. J'espère que j'ai utilisé mon PM. Ce sera un petit peu bête sinon. J'utilise 1 PM par 1 PM. C'est. Voilà, clairement pas honte à vous avoir une longue vidéo là, c'était peut-être pour pardonner au pire. Hop là, est-ce que pense à ça. Non, pense à ça s'utilise pas. Ça fait pas consumer le challenge zombie, désolé, mais. Ce serait un petit peu chiant sinon. Hop. Ça, c'est fait. Bah clairement là je suis. Clairement là je suis carotte. D'accord, je suis carotte. Ok, je suis carotte. Ok, c'est chiant. Ah non, c'est bon. Oh non. Tu meurs. Soit par le feu, soyez purifié. Lol. Ah mais c'est que mon chien ne peut pas attaquer. Mince. Trouver une solution, trouver une solution, trouver une solution. Trouver une solution, trouver une solution, trouver une solution. Mmh.
J'essaye le main propre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Est-ce que ça marche les gens? Est-ce qu'on a fucké le jeu? Ah bah non. Ah bah si. Merde. Pas réussi le zombie DSL. Ah mince, c'est bête. Bon bah tant pis, au moins on a réussi au moins à faire deux autres succès Scarfeuil. Franchement là il m'a pas mal, enfin dire motivé. Bon, on se fait très peu de cam avec tout ça, mais bon voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Moi donc je vous dis donc à la prochaine. Bisous bisous, abonnez-vous et likez bien entendu si c'est toujours pas fait.